J'ai entendu parler un peu du club, je me suis renseigné aussi. On m'a parlé du club, on m'a dit que c'était un club familial, un club avec beaucoup de supporters, des supporters qui sont toujours derrière les joueurs, qui supportent toujours, qui sont là même quand tout va mal. Donc on m'a un peu parlé du club et ça m'a... C'est ça qui a joué aussi un peu dans mon choix et c'est pour ça que j'ai voulu signer ici. Ouais, ça motive tout le monde, pas seulement les attaquants, ça motive même les défenseurs, les milieux, tout le monde. Donc voilà, les gens, ils payent leur place pour venir nous voir jouer, ils se déplacent. Il y en a même qui laissent leur boulot pour venir nous voir jouer, donc ça fait plaisir qu'ils soient là. Et maintenant, c'est à nous de mouiller le maillot, de tout donner sur le terrain pour leur faire plaisir et leur donner un beau spectacle. Pour moi, c'est très important parce que les mecs, ils sont là, ils dépensent leur argent pour venir nous voir jouer. Donc, c'est à nous de travailler tous les jours à l'entraînement, de bosser dur et mouiller le maillot le jour du match. J'étais en stage avec l'OGC Nice, on était à Divonne. Et un soir, je reçois l'appel de mon agent à 3 jours de la fermeture du mercato et qui me parle de Lens. Il me dit ouais, il y a Lens qui est intéressé par toi, ils te veulent de suite, ils veulent tout faire pour te prendre. Et je reste comme ça, je réfléchis parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que je cherchais un club où j'allais avoir du temps de jeu, parce que pour moi c'est très important. J'aime le foot, j'ai envie de jouer, donc voilà. Je cherchais un truc où j'allais jouer tout le temps. Et quand il m'a parlé de Lens, je suis resté 20 secondes, j'ai pas parlé. Après je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, on se rappelle après. Et du coup j'ai essayé de me renseigner. On m'a dit beaucoup de choses sur Lens et c'était que des choses bien. Donc j'ai pas hésité trop longtemps. Et le soir on s'est rappelé, je lui ai dit ben moi je te donne mon OK. Entame les négociations avec eux et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ben, je pense que c'est un stade qui est bruyant. Parce que déjà les sportifs ils sont pas très loin de nous. Donc même quand tu lances une touche, tu les entends juste derrière toi. Donc je sens que c'est un stade où il y a beaucoup de pression. Mais la pression va falloir la gérer. C'est vrai qu'au début ça serait un peu compliqué, mais bon. Avec le temps ça va passer. Chers supporters en soi, je suis très content d'avoir signé ici. Et je vous attends tous au stade. Fier d'être l'en soi.